Tu as déjà entendu parler du vaginisme et tu aimerais connaître ses symptômes? Tu es au bon endroit. Voilà la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo t'apportera des good vibes et des belles énergies. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Mme Danti Badiane, je suis coach thérapeute spécialisée en guérison du vaginisme. J'accompagne les femmes qui souffrent de vaginisme à guérir et avoir une sexualité épanouie sans peur ni douleur. Je suis la créatrice de la méthode Je guéris du vaginisme qui est une méthode holistique qui a déjà aidé plusieurs centaines de femmes à guérir du vaginisme dans le monde entier. J'ai moi-même été dans ton cas, j'ai réussi à guérir et après un long parcours et sur cette chaîne, je te donne un raccourci avec des conseils, des astuces que j'ai appliquées à moi-même et qui vont t'aider à guérir du vaginisme parce que ces conseils et ces astuces ont fait leur preuve auprès de femmes que j'ai accompagnées. Le vaginisme est un trouble sexuel féminin à part entière. Il peut parfois être confondu avec la dyspareunie, mais le vaginisme a des symptômes bien distincts. Les principaux symptômes du vaginisme sont la peur, parfois phobique, de la pénétration, la contraction involontaire des muscles qui entourent le vagin et de très vives douleurs à l'entrée du vagin. Le vaginisme se caractérise par l'impossibilité totale ou partielle de la pénétration. Le premier symptôme dont on prend conscience est la douleur. Mais celle-ci répond à un mécanisme psychologique qui est causé généralement par la peur de la pénétration. On peut considérer que la guérison du vaginisme est effective quand les contractions réflexes disparaissent ainsi que les douleurs et lorsque l'appréhension de la pénétration a complètement disparu. Beaucoup de femmes me demandent souvent « Mam, comment savoir si je suis guérie du vaginisme ?» Elles posent également cette question aux accompagnatrices de mon programme d'accompagnement. On leur répond que pour savoir si elles sont réellement guéries du vaginisme, le premier signe qui doit les interpeller, c'est la disparition de l'appréhension, de la peur panique, de la pénétration. En ce qui concerne les douleurs et les contractions, elles sont dues à cette peur panique de la pénétration. Les jambes de la femme qui souffre de vaginisme tremblent, se referment de façon quasi mécanique. Il faut savoir que la guérison est d'abord intérieure. Lorsqu'on accompagne les femmes et qu'elles nous disent qu'elles ne perçoivent pas la pénétration plus comme une torture ou une souffrance, mais qu'elles ont envie d'essayer, on sait qu'elles sont véritablement sur la piste de la guérison. Il y a d'ailleurs un article sur mon blog qui s'appelle jeguérisduvaginisme.com qui s'intitule « Comment savoir si je suis réellement guérie ?» Je t'invite à aller regarder le blog après cette vidéo. Il faut savoir également que pour celles qui sont en cours de guérison, il y a certaines étapes. Pour certaines, elles vont continuer à utiliser les dilatateurs avant de pouvoir tenter la pénétration pour habituer le cerveau à la pénétration. Ensuite, progressivement, elles vont se libérer de l'utilisation des dilatateurs. Elles vont commencer à tester des nouvelles positions, des nouvelles choses, explorer leur sexualité et ressentir même du plaisir. La sexualité se construit avec le temps. Si tu souffres de vaginisme et que tu n'as plus peur de la pénétration et que tu peux avoir des rapports sexuels fluides, plaisants, c'est que tu es guéri. Voilà pour toi, j'espère que cette vidéo te sera utile pour connaître les symptômes du vaginisme. Bien sûr, chaque femme a sa propre histoire. Mais les symptômes sont généralement les mêmes. L'appréhension de la pénétration, les contractions involontaires du vagin et les douleurs insoutenables.
Dis-moi dans les commentaires ce qui t'a le plus parlé, ça me fera plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger la mini formation gratuite qui s'intitule « Les 7 plus une clé secrète pour guérir du vaginisme » que tu peux retrouver dans la description de cette vidéo. Like cette vidéo, commente-la. Abonne-toi à la chaîne si tu veux continuer à recevoir régulièrement du contenu de qualité et des pépites qui vont t'aider dans ton processus de guérison du vaginisme. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, crois en toi, en ta guérison et n'oublie pas que le vaginisme se guérit très bien. Je te dis à très vite, prends soin de toi et je te fais de gros bisous. Ciao !